Merci déjà, je sais pas, il y a des encore des gens qui arrivent. Et pour moi, c'est la première fois qu'on va présenter quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'Amérique latine, mais c'est plutôt avec la Tunisie. C'est un Tunisien, je l'ai connu il y a très peu de temps. Je ne vais pas dire les mensonges, mais qui m'a plu parce que le jour qu'il m'a montré ces images, je dis voilà, bon ben, il faut qu'on fasse quelque chose avec toi. Mais plus que ça, c'est que sa peinture, c'est un hommage aux femmes. Vous savez que dans ces pays-là, latinos et d'autres pays, voilà, la femme, le rôle de la femme, elle est des fois un peu difficile. Et je me suis dit, voilà, il faut absolument qu'on puisse présenter. Je ne sais pas si vous avez apprécié les peintures des Ilis. Et j'aimerais bien le faire venir ici pour qu'il explique un peu voilà, ses couleurs, sa vie. Ilis, je te laisse la parole, voilà, parce que tu sais plus que moi. Bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Je remercie tout le monde d'être venu ce soir et particulièrement les gens qui ont contribué pour mettre en place cette exposition ce soir. La Chambre de commerce latino-américaine. Le Club Claro. Voilà. Ce soir je vous présente les mille et une nuits de Scheherazade. Donc c'est un projet de peinture. Je suis parti sur 1001 tableaux qui racontent les 1001 nuits de Scheherazade, mais la version contemporaine. Donc j'en suis à la 42e nuit. Je préfère ne pas faire trop mon artiste dictateur là, donc je vous laisse découvrir tout seul mon univers. Je suis là pour répondre à vos questions et à écouter vos analyses, vos interprétations. Merci, passez une bonne soirée. Aujourd'hui, comme vous avez entendu bien, il y a une exposition assez particulière du monde de la Méditerranée à travers de Scheherazade. Toutes les histoires de mille et une nuits, et même si on est à la 42e nuit, il nous reste encore beaucoup à faire. Mais on va les faire peut-être pas ensemble, je dis pas, mais... Je sais pas, ça me rappelle tout le stratagème de séduction d'une femme
pas pour garder un homme, mais pour le séduire. Shahrazad, c'est une femme très intelligente qui était pourtant, qui vivait sous le joug dans un harem. Elle devait avoir la première place et garder, pour pas qu'il la tue, il fallait qu'elle soit très inventive. Je trouve que son sujet est très, très, très intéressant. Voilà, j'adore, je suis complètement fan. Ta peinture, ton rêve, parce que c'est un rêve, non? Oui, puisque ça, ça va aboutir dans plus que 10 années, donc c'est un rêve que je reste en vie pour finir les mille et une nuits. Et donc pour vous parler un peu de la technique, donc il y a de la peinture, des collages et de la broderie. Voilà. Il y a des gens qui se demandent pourquoi la musique est importante, mais aussi la manière de regarder les couleurs, c'est aussi important. Et il fait un travail assez important sur la revendication du monde de la femme dans le monde tunisien. Pour nous, c'est très important, mais pas seulement l'effet de la revendication du monde de la femme. En fait, nous, Chambre de commerce latino-américaine, nous avons ouvert... Si les gens me laissent parler, nous avons ouvert une chambre de commerce latino-américaine en Tunisie. Donc il y a une nouvelle chambre de commerce latino-américaine en Tunisie. Et c'est pour cela que pour nous, c'est aussi significatif qu'aujourd'hui, avec nous, Ilyes fait en sorte d'introduction. Et dans pas longtemps, on fera une inauguration. Mais il faudra venir avec nous, peut-être en bateau, en Tunisie, pour la nouvelle inauguration de la chambre. J'étais en train de dire qu'il avait raté quelque chose à la soirée de l'Américaine. Donc, cela, mais puisqu'on est dans le monde de la Méditerranée, il y a avec nous une chanteuse qui fait la composition, qui fait pratiquement tout, qui s'appelle Anna Rabanal, qui est avec nous aujourd'hui, qui va venir ici. Et pour moi, c'est spécial parce qu'il y a un auteur qui est complètement particulier pour les couleurs, pour le monde de la femme, pour le fait que nous soyons créés une chambre de commerce en Tunisie, mais il y a aussi le monde hispanique qui est là, avec Léon, la grande région de Léon, léonesse, de Anna Rabanal, qui compose ses chansons, qui chante à sa manière, qui a une façon particulière de nous montrer un terroir qui, des fois, n'est pas tout à fait bien connu. Et que moi, je suis très près de Léon, parce que je suis galicien, et j'adore tout ce qui est le monde de Léon, par sa force, parce que le dernier roi visigoth espagnol était léonais. Donc bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Anna R. Donc, il y en a qui vont me dire, mais bon, pourquoi R? Donc, c'est mon nom de famille. Je suis espagnole, je viens de León, donc. Et R, c'est la première lettre de mon nom de famille qui est Rabanal. Plus espagnol, c'est pas possible. Donc, voilà, je vais présenter un nouvel album que je viens de sortir. Donc, avec tout ce titre que j'ai composé. Et puis je vais jouer avec ce super guitariste, vous allez l'entendre, qui s'appelle Cédric Beau, lui qui embellit mes chansons à chaque fois. Et puis donc voilà, on va jouer un duo et puis on va le faire tout de suite si vous voulez bien. Ah ouais.
était très humain. Cruzo la calle,
pensando en tus ojos. Oh no, el semáforo estaba en rojo. Los coches me pitan, la gente me grita y me sorprendo pensando en ti. Te lo quería decir.